Bonsoir à tous. Bah écoutez, je vous retrouve ce soir. J'ai déjà tourné une vidéo, mais bon, j'en fais plusieurs parce que j'ai un petit peu le temps vu que Hugo est couché. Pour vous faire un unboxing, voilà, de ce que j'ai acheté sur le site internet d'Etam. Voilà, donc la seule chose que je tiens à dire à la marque, si elle me voit, c'est lamentable ce que vous avez fait. J'ai commandé le 10 au soir, donc j'ai considéré ma commande passer le 11. Le 11, c'est tout, je pense que ma commande est validée. Ma commande, j'ai demandé un retrait en point Etam, quoi, dans un Etam prêt à porter. Je me suis retrouvée avec une commande en expédié le 18, parce que j'avais envoyé un message au service client le 17, une semaine après, pour leur dire, mais vous abusez quand même, j'ai pas de nouvelles, ma commande n'est pas expédiée, franchement, vous foutez de la gueule du monde, quoi. Et là, excusez-moi du terme, parce que honnêtement, c'est se foutre de la gueule du client. Suite à ces messages, parce que j'en ai déjà envoyé un dans la semaine, étant donné que j'avais toujours pas de validation d'envoi de commande, j'en ai envoyé un le 16. Non, un le... Non, attends, c'était quand? En gros, j'en ai envoyé un le vendredi après-midi, quoi. Ou le samedi matin. J'ai reçu une confirmation d'expédition le samedi le soir, quoi. Je sais pas pourquoi ils travaillent le samedi dans la nuit, quoi. Ou le dimanche, j'ai reçu ça. Et en fait, il était disponible en retrait le lundi. Mais je veux dire, ils ont attendu quand même une semaine avant d'expédier ma commande. C'est quand même pas dur d'expédier, même chez Kiko, qui sont en Italie, putain. Neve Cosmétiques aussi, ça va vite, quoi, par rapport à eux. Mais je comprends même pas, quoi. Donc, voilà, c'était mon coup de gueule chez Etam, parce que ça m'a vraiment pas plu. Alors que les filles en magasin, elles sont adorables, quoi. Je veux dire, c'est même pas de leur faute. Moi, je l'ai quand même... donc, je me permets d'ouvrir quand même les petites lanières, là. C'est vraiment une honte. Donc, ben, ce coup de gueule étant passé, je me permets d'ouvrir avec vous ce petit colis. Donc, j'ai fait les soldes. Tout était à moins 50%. Donc, ben, étant donné que j'en avais vu que du bien sur les vidéos internet, enfin, YouTube surtout. Donc, voilà, ça se présente dans un colis noir, dans du papier de soie noir. Et c'est bien emballé avec du papier bleu. Donc ça va, ça me rassure. Donc, bah écoutez, oui, c'est bien emballé, ça va. Il aurait plus encore fallu que... Donc attendez, je fais du bruit. Alors ça, excusez-moi, parce que vous savez comme par hasard que moi, je n'aime pas faire de bruit. Donc, oula, je fais tout tomber. Donc il n'y a pas de... Si. Par contre, il n'y a pas les prix, donc comme d'habitude, en bas. Parce que, voilà, quoi. Alors, c'était aussi pour vous faire un crash test, comme avec les produits Kiko, pour les produits Etam. Donc, on commence tout de suite avec un Push Up Your Beauty, paréo de teint, duo bronzer effet bonne mine, en teinte 01, clair. Oui, parce que je suis pas foncée, hein, soit dit en passant. Donc, voici... je vais mettre ça là. Voici pour le packaging. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc, il y a un bronzer et un blush. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les blushs, mais j'aime bien les blushs. Donc, petit swatch ici. Avec le E de Etam. Voilà. Bah, j'espère que leur produit sera, pardon, meilleur que leur service client, qui m'ont répondu d'ailleurs cette semaine. Peut-être une semaine après que j'ai été récupérer la commande, quoi. En me disant, mais non, il n'y a pas de problème, votre colis est livré à telle adresse. Bah oui, j'ai envie de te dire, j'y suis allée lundi, hein. Tu m'envoies ça 4 jours après, quoi. J'ai déjà récupéré la commande depuis longtemps, hein. C'était pas le sujet, quoi. Donc là, c'est Push Up Your Beauty Sublimizer de décolleté en lumineur. Donc c'est sous forme de petite... de petites toupettes, donc un petit papier transparent et en fait c'est un enlumineur. Donc je sais pas si je vais faire avec ça, mais ça a l'air cool et marrant. Donc je pense pas que je ferai le décolleté, hein. En gros j'enluminerai ici. Mais eux ils montrent, en fait il y a une photo à l'intérieur mais qu'on voit pas. Je sais pas si vous verrez comme ça. Ils montrent que ça se met en fait ici sur les arêtes protubérantes de l'épaule
et sur le dessus des seins, sur l'orque. Voilà. On verra bien. Ça sent bon quand même, ça va, hein. Ça va, ça sent bon, je vous rassure. Ensuite, on a le Reine du Bluff, correcteur de décolleté, en teinte 01 clair aussi, clair intermédiaire. Alors ça par contre, ouais, je l'ai pris parce que c'était un bronzer, je crois. Non, je sais pas. Un correcteur de décolleté, ouais, une poudre compacte, je pense. Je l'ai pris, baume correcteur, clair incendiaire, ouais, Reine du Bluff. Ils mettent quoi là? Ah non, il n'y a pas de dessin sur celle-là. Il camoufle toutes les petites imperfections avec naturel pour un décolleté vraiment parfait. Tapoter avec l'éponge sur les imperfections à masquer, puis étirer pour estomper, pour une utilisation optimale et un résultat parfait. Flasher le QR code pour visionner le tutoriel vidéo. Waouh! Ils font ça bien. En même temps, si c'est à l'image de leur service client, allô quoi. Ensuite, j'ai le push-up de teint, le fluide effet bonne mine. Donc ouais, ça c'est en gros, c'est une bébé crème en teinte quoi, en teinte pétale de rose, à teinte 01. Ouais, c'est une bébé crème, je pense, effet bon, ou alors un fond de teint. Comme ça, ça me laisse libre choix de vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau des produits étables. Ensuite, on a un Push Your Beauty Oh My Décolleté Duo de poudre amplificateur de... Pourquoi ils appellent tout... Pourquoi clair incendiaire, pareil. Pourquoi ils disent que c'est pour le décolleté, quoi, j'ai envie de te dire. Donc ça, c'est un cœur, en fait. Donc, ils expliquent hein, toutes les étapes de... Pour le packaging est vraiment top, quand même. Je veux pas dire, mais... Et derrière, ils expliquent, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un bronzer, en fait. Je vois pas pourquoi ils disent que c'est pour le décolleté, parce que franchement, ça a pas l'air... Ouais, il y a un enlumineur qui a l'air vraiment joli, joli. Un enlumineur et un bronzer. Ouais, je pense que c'est pour ça. De toute façon, j'ai un peu pris tout ce qui était en solde, parce que je me suis dit... En plus, franchement, les étames beauty, il y en a pas. Pourtant, je suis à Reims, quoi. Je veux dire, il y a pas mal d'étames. J'ai Chalon aussi à proximité. Pas une seule boutique. Je suis rentrée, je les ai demandé, et ils m'ont dit, non, à mon avis, on fera pas ça, nous. Hein. Donc voilà, donc j'ai pris... le temps de commander. Alors ça, c'est un EU Push-Up Regard. Crayon à paupières, longue tenue, en teinte 01, perle rose. Il y en avait plein de teintes, mais je savais pas ce que ça donnait. Donc en fait, je sais juste que c'est un jumbo, j'essaierai comme ça, et puis voilà quoi. Et vu que le rosé, en ce moment, c'est mon dada. Comme je vous ai dit, que le rosé qu'il faut pas boire. Le rosé, la couleur. Ensuite, j'ai pris Joli Baume, un baume à lèvres coloré. En teinte 09, Lovely Rose. Voilà. Il est vraiment sympa aussi. J'ai hâte de le tester parce que j'en ai un. Enfin, en fait, rouge à lèvres, baume. Que j'ai trouvé chez Action. Alors, franchement, à Pinette, vraiment, 39 centimes. Je suis amoureuse de ce produit-là et il n'y a pas de marque. Mais je l'adore. Donc, ensuite, il me reste deux produits. Donc, celui-ci, c'est un crayon. Je m'en rappelle. Je voulais voir si ça tenait bien. Et c'est un crayon longue tenue, des mesures azur, la teinte 18, et c'est une espèce de turquoise. Plutôt pas mal. Donc je vous ferai le swatch. Et pour finir, le soutien regard ombre à paupières. Alors pareil, il y a plusieurs teintes. Mais je voulais pas me risquer à me vautrer au niveau. C'est petit, hein. C'est comme un baume à lèvres. En teinte 42, rose Las Vegas. Oh putain, pardon. Il est magnifique. Ouh là là. Il est trop beau. Et vu que en fait ce que j'ai. Oh il est trop beau. Oh là là, bravo. Oui. Là je suis un peu comme une bête. Donc voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas encore, je sais plus jusqu'où les soldes en fait. Je crois que c'est fini. Mais bon. Je sais plus. Non, c'est plus que demain, je crois. Oh, je sais plus. Ouais, désolé. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu mon butin chez Etam. Et puis au cas où vous vouliez commander, au moins vous aurez eu une idée, un aperçu de ce que ça donne.
Voilà. Écoutez, n'oubliez pas que la vie est belle en rouge. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais d'énormes gros bisous. Mouah. À très bientôt sur ma chaîne. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit et ça fait plaisir. Ciao, ciao. À bientôt.